la team, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette hyper tendance. C'est la piñata cake. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se réalise. C'est très facile. Vous prenez un moule donc en silicone assez gros. Donc, moi, j'ai pris ici le moule cœur, le fameux. On le trouve un petit peu partout maintenant. Qu'on badigeonne de chocolat, qu'on met au frais. Et ensuite, à l'intérieur, vous garnissez de un petit peu ce que vous voulez. Donc, un petit mot d'amour, des bonbons et puis des chocolats ou autre. Allez, on y va pour le tuto. Alors, voici mon moule cœur en silicone. Je vais le remplir de chocolat, donc mes deux tablettes. Et j'ai besoin aussi d'un petit support. Donc là, j'ai fait fondre mon chocolat au micro-ondes. Et je le lisse sur mon moule avec un pinceau. J'essaye de remplir tous les angles et les bords. Je viens ensuite taper mon moule pour enlever toutes les bulles. Je le mets ensuite au frigo pendant 15 minutes et je viens refaire une deuxième couche. Après une heure au frigo, je peux commencer à démouler mon chocolat. Donc je fais déjà les bords et tout doucement, je récupère mon cœur en chocolat. Je viens remplir ensuite de bonbons, de chocolat ou toutes les gourmandises que j'ai envie. Et je viens mettre du chocolat fondu sur le bord du cœur. À l'aide de deux supports, je viens retourner enfin mon cœur. Je décore à ma guise. Donc ici, j'ai pris un petit peu de poudre dorée pour faire un cœur doré. Et je viens ensuite rajouter la décoration que j'ai envie. Donc ici, j'ai décidé d'écrire Bye 2020. Et voilà mon intérieur, ma piñata cake, qui cache une petite surprise. Alors moi, dans ma piñata, j'avais caché des petites lunettes 2021. Tout ça pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et se dire, eh bien, à très bientôt. Abonnez-vous!